animaux? Oui. Qu'est-ce que tu as vu? C'est quoi ton préféré? Le perroquet, je crois. Beaucoup de perroquets. Parce que vous faites un jeu. D'accord. Très bien. Il est capable d'escalader du tout l'arbre, le jaguar, à la fin. Ah, c'est possible, hein. On va regarder. C'est un homme humain comme ça. Ouais. C'est quoi votre préféré pour l'instant, les enfants? Moi, c'est le jaguar. C'est le jaguar. Des tigres, on dirait des tigres. Celui-là, là. Ça, c'est une panthère noire. Jaguar et panthère, c'est la même chose. Ah, c'est deux jaguars. C'est une jaguar femelle. La noire. Ah ouais? Ouais. Une femelle qui a tant de force que ça, j'imagine pas les mâles. C'est pas sûr que le mâle il est plus de force. Il est plus jeune. Enfin la réouverture. Oui, bonjour, oui, enfin la réouverture, après 6 mois et demi d'attente. Ouais. Okay, ça a été un petit peu long pour nous, les animaux, et maintenant, avec le soleil qui revient un petit peu aujourd'hui, et beaucoup demain et après-demain, ça va être parfait, on va attendre beaucoup de monde. Très bien.
Et donc, vous avez un peu souffert quand même? Les animaux ont souffert? Non, les animaux n'ont pas souffert du tout. Non. C'est plutôt nous qui avons souffert, mais enfin avec les aides de l'État qui sont venues enfin. Ça nous a donné une bouffée d'oxygène. D'accord. Donc en fait, vous pouvez repartir quand même. Oui, parce que nous avons fait également de nombreux travaux pendant la fermeture. Nous avons planté 150 arbres adultes, nous avons fait un abri pour les coatis, nous avons aménagé l'enclos du ranch des petits, nous avons fait venir beaucoup d'animaux, tout ça fait que ce sont mes amis qui arrivent. Ah bah voilà les amis. Salut mon pépère. Bonjour. Bonjour. Voilà, oui, il me lèche. Ah oui, on va dire non. Je le reconnais là. Ah là, c'est formidable, ils sont venus exprès pour Mac Journal. Oui, ils me suivent. Et ce qui a été très intéressant pendant la fermeture, c'est que j'étais tout seul dans le parc avec eux. Ah oui. Et je me suis fait des amis. Ah, très bien. Par exemple, eux, ils me suivent partout maintenant. La femelle jaguar me reconnaît. Les coatis, je les appelle, ils viennent me voir. Même quand ils sont dans leur petite cabane. Alors ça a été pour moi... une magnifique bouée de sauvetage morale et mentale parce que la compagnie des animaux, ça vous fait tout oublier, surtout dans un cadre comme nous avons ici avec une très belle décoration. D'accord. Et est-ce que vous avez l'idée d'agrandir et de ne pas faire que l'Amérique du Sud? Alors effectivement, là, pendant 2 ans, nous allons renforcer l'Amérique du Sud. Oui. Avec, par exemple, en 2022, un nouvel enclos avec des tapirs et puis des fourmiliers. D'accord. 2023, nous allons faire la zone primate. Ah ouais. Il y a beaucoup de singes dans l'Amérique du Sud. D'accord. Donc ça, c'est le programme 2022-2023. Également, la fondation a fait une demande de permis de construire pour faire une grande volière africaine, mais pas immersive comme celle-ci, hein, mais pour accueillir des grilles du Gabon qui sont nombreux chez nous. D'accord. Nous avons une tortue africaine, donc on va faire à la sortie de cette zone-là une jolie volière africaine avec les perroquets africains et cette belle tortue. Ils auront un bel enclos et les visiteurs pourront la voir. D'accord. Également, la fondation va expliquer tout ce qu'elle finance au Cameroun avec un centre qui s'appelle le Limbe Wildlife Center. D'accord. Ça sera très pédagogique et puis les personnes pourront vraiment réaliser ce que nous faisons en Afrique, pas seulement en Amérique du Sud. Très bien. Et en 2024, nous allons faire un autre continent avec un beaucoup plus gros investissement. Voilà, alors on va déjà se préparer parce qu'il faut 2-3 ans de préparation de dossier, et là, on garde le secret pour le moment. Sur le continent. Sur le continent. Ouais.